Salut, c'est Frédéric, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une nouvelle vidéo du genre sur ma chaîne. Comme je vous l'avais annoncé dans mon programme 2015, je vais faire des vidéos Share the Love, donc où je vais vous parler de mes coups de cœur au niveau des chaînes sur YouTube. Et cette vidéo va être la première. Alors elle me tient très à cœur car j'ai fait la découverte de cette chaîne il n'y a pas très longtemps, lorsque je me suis mise au crochet. Et je suis tombée sur la chaîne de Croche Cocoon. Donc vous allez voir défiler des photos et des photos de sa chaîne et tout ça là pendant que je vous parle. Donc c'est une fille extraordinaire, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une fille très gentille avec qui j'ai l'occasion de parler assez régulièrement sur Facebook. Et donc j'ai adoré ses vidéos tout de suite, tout d'abord parce qu'elle a une voix très douce, très agréable à écouter. Elle explique très très bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans les vidéos. Des fois je sais que c'est difficile d'expliquer à d'autres personnes comment faire certaines choses. Donc elle le fait très très bien. Et en plus, vous allez rigoler, mais j'ai craqué sur ses mains et ses ongles. Parce que moi, vous savez, je n'ai pas d'ongles, je ne fais que me ronger les ongles et les peaux. Et elle, elle a des ongles, ils sont pas longs, mais ils sont beaux. Et puis elle a toujours un joli petit vernis, enfin voilà. Quand on fait du crochet, ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit surtout. Donc voilà, j'ai tout de suite accroché sur sa chaîne. Et puis surtout, ben, ce qu'elle fait, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc elle va faire par exemple des petites fleurs, des papillons, enfin plein d'accessoires que vous pouvez réaliser vous-même. Actuellement, elle fait tout ce qui est chaussons bébés, des petites baskets bébés, etc. Et je suis très contente pour elle parce que ça marche très très bien. Ce sont le genre de choses que les mamans ont envie de faire pour leur bébé. Donc voilà, je suis super contente pour elle. Et puis, elle a aussi fait toute une série de lettres, des lettres alphabétiques en crochet. Donc toutes les lettres, je crois pas qu'elle les ait fait dans l'ordre ABCD, mais elle les a fait un petit peu dans l'ordre des demandes des gens finalement par rapport au prénom ou à ce qu'ils voulaient écrire tout simplement. Donc ces vidéos sont pour les débutants et tout aussi bien pour les confirmés. Donc moi c'est vrai que j'étais débutante et ben, j'ai démarré grâce à elle, j'ai tout de suite bien compris. Et après, ben, dès que vous êtes un peu plus douée, un peu plus à l'aise dans le crochet, vous pouvez faire par exemple des chaussons, les petites baskets bébés, etc. Elle a également une page Facebook, donc toujours Crochet Cocoon, pardon, où je trouve qu'elle est assez active. Donc elle va vous mettre ses vidéos en ligne, elle va vous mettre des photos. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez interagir avec elle. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle aime aussi également voir vos réalisations. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je lui ai posté les photos d'une petite fleur que j'avais fait pour un bonnet et voilà, donc ça lui a fait plaisir, etc. Et on est devenus un petit peu amis, je vais dire amies virtuelles toutes les deux et voilà, on a quasiment le même âge, on a les mêmes passions, voilà, c'est vraiment super agréable. Donc lorsque je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo sur sa chaîne, je lui ai proposé de réaliser un concours pour vous faire plaisir, donc à vous et également à ses abonnés, donc voilà. Et surtout pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'elle fait. Donc elle m'a envoyé tout ça dans un colis, je l'ai reçu aujourd'hui. Alors déjà elle m'a envoyé une petite carte avec une peinture de Monet que j'adore. Tu ne le savais pas, mais j'adore Monet, c'est un de mes peintres préférés. Elle m'a envoyé également un cœur tout choupiné en crochet. Voilà, elle m'a envoyé ce petit cœur tout choupiné en crochet. C'est pour moi, personnellement, pour me remercier de faire cette vidéo. Et franchement, je l'adore parce que j'adore les cœurs. Et puis je sais, je vais l'accrocher, je vais mettre un petit crochet et un petit ruban. Et je vais l'accrocher chez moi, ça fera super joli. Donc encore merci, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis en plus elle a une petite attention pour mes enfants, comme elle sait qu'ils sont très gourmands, bah moi aussi d'ailleurs, elle leur a offert un paquet de bonbons. C'est pas grand chose pour certains, mais franchement moi ça m'a touchée, je sais pas si comme vous, vous êtes maman, vous avez des enfants, bah si on fait plaisir à vos enfants, bah ça vous fait plaisir à vous directement, voilà. Donc aussi merci pour ça, d'ailleurs on en a déjà mangé quelques-uns, on n'a pas pu résister. Et enfin voilà, je vais vous montrer le lot.
qu'elle a eu la gentillesse de vous offrir et surtout qu'elle l'a fait de ses propres mains. Donc il s'agit de cet adorable petit lapin. Je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà, donc c'est un petit lapin qu'elle a réalisé. Alors je le trouve adorable, donc c'est une petite lapine en fait, hein, puisqu'elle a un joli petit collier avec un petit cœur ici. Là, elle a deux petites couettes, donc des petites fleurs en élastique. Voilà, c'est vraiment adorable. Son travail est vraiment impeccable, c'est super bien fait. Donc elle l'a bien rembourré, il est très dur, il tient assis, enfin voilà quoi. C'est vraiment adorable. Donc voilà ce que je vous propose de gagner dans ce concours. Alors, pour participer à ce concours, il y aura bien sûr des règles à respecter comme d'habitude, donc avoir 18 ans ou l'accord parental, résider en France, comme d'habitude c'est moi qui me charge de l'envoi, donc s'il vous plaît, comprenez-le, pour moi c'est beaucoup plus facile si vous habitez en France. Il faudra bien évidemment liker sa page Facebook, liker ma page Facebook, être abonné à sa chaîne et être abonné à ma chaîne. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'obliger les gens à être abonnés aux chaînes pour participer au concours. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon précédent concours pour Panda Haul. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a rien vraiment qui le dit explicitement dans les règles YouTube. Et j'ai vu plein d'autres vidéos concours, voilà, de grandes youtubeuses et de grands youtubeurs qui ont malgré tout demandé aux gens de s'abonner. Donc je me dis que si eux ils le font, bah pourquoi moi je le ferai pas. Donc je le tente et puis au pire j'aurai un avertissement YouTube, on verra bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a plus le droit d'accepter les commentaires pour les vidéos, pour les concours. Donc, ben, vous allez faire comme ceci. Donc, ce que j'ai pensé, c'était créer une adresse email pour que vous puissiez participer tout simplement par email. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a qui n'arrivent pas à envoyer de MP sur YouTube parce qu'ils regardent depuis une tablette ou un téléphone. Donc voilà, l'adresse email pour participer à ce concours s'affiche ici. Et je la mettrai également bien sûr en barre d'infos. Donc vous m'envoyez un mail en me disant je participe au concours et il faudra me dire pour quelle raison vous souhaitez gagner ce petit lapin et finalement qu'est-ce qui vous a plu dans la chaîne de Crochet Cocoon. Voilà, j'espère que c'est clair. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Voilà, bah la petite lapine et moi, on espère que cette vidéo vous aura plu. Crochet Cocoon, je te remercie encore infiniment pour pouvoir organiser ce concours. J'espère donc que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Dis salut! Salut! Où je te garde toi? Où je te donne pas tout, je te garde. Oui.